N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Qu'est-ce qu'un handicap européen? Nous allons répondre à cette question dans cette vidéo. Et par la suite, je vais vous montrer qu'on va prendre la rencontre entre Séville et Real de Betis. On déroule le menu. Nous sommes dans l'handicap européen. À notre gauche, concerne l'handicap européen de l'équipe de Séville. À notre droite, concerne l'handicap européen de l'équipe de Betis. Et au centre, concerne l'handicap européen des deux équipes. On va s'intéresser à la première ligne 0-2.3-V1, c'est-à-dire la victoire de Séville. Ce qu'il faut comprendre est que dans cette option, si vous placez votre pari là-dessus, pour pouvoir gagner votre gain, Séville doit gagner 4-0. Parce que Séville a 3 buts de retard à rattraper avant que le match commence. Raison pour laquelle l'option qui se trouve au centre, 0-2.3x, qui veut dire simplement match nul, c'est-à-dire le fait que Séville a 3 buts de retard à rattraper. Donc si Séville gagne exactement 3-0, c'est-à-dire 3 buts d'écart à la fin du match, votre mise sera multipliée par 11 et vous gagnez ce gain-là. On vient sur l'handicap européen de Betis à notre droite, 0-2.3-V2, qui veut dire la victoire de Betis. Si on prend cette option, pour avoir votre gain, Betis doit faire match nul ou bien gagner le match. Vous perdez si Séville gagne 4-0 ou bien il y a 4 buts d'écart ou bien 5 à la fin du match. Ce qu'il faut comprendre, dans l'handicap européen, on a droit à deux résultats. Soit vous gagnez, soit vous perdez. Or, dans l'handicap classique, c'est 3 résultats. Soit vous gagnez, soit le site vous fait rembourser, soit vous perdez. Par contre, dans l'handicap européen, il n'y a pas de remboursement. Soit vous perdez, soit vous gagnez. Donc ces options sont très intéressantes. Mais avant d'utiliser, analysez bien les matchs avant de passer au pari. Ne vous précipitez pas. Soyez calme. Prenez votre temps. Ainsi, vous pouvez limiter.